Et salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur Need for Speed pour l'épisode numéro 18. Et précédemment nous avons affronté Earl, je crois me souvenir que c'était le cas. Ah non, c'est Jewel, donc on avait affronté qui précédemment? Earl, oui. Voilà, donc on en est à Jewel, donc on avait fait quelques courses. Je vous propose de finir les deux restantes. Et ensuite de lancer une poursuite pour ensuite affronter le numéro 8 de la liste noire. Donc c'est parti. Course radar. Ah oui, de mémoire aussi on avait tenté deux fois de faire une poursuite contre ces flics et de remplir les objectifs. Et malheureusement, je me suis fait arrêter deux fois. Suite à de mauvaises manips de ma part. Donc on va pas réitérer la chose. Je vais faire gaffe cette fois-ci. Et bon, pour le moment on se concentre sur la course. Allez, Kumbos à fond. Oh. De plus en plus agressifs les gars, enfin au moins ils collent plus qu'avant. Alors bon, on est au numéro 7 de la liste noire, enfin 8 par 7. Donc je sais pas vraiment si on aura le temps de finir le let's play avant la sortie de Wellrun, qui pour rappel est le 17 novembre. Alors je sais pas si je vais le prendre day one, hein, parce que les prix sont sortis par rapport à l'extension Wellrun. Et 30€ je trouve c'est un peu cher quand même pour une extension. Donc je vais attendre un peu que ça baisse. Hein. Moi je suis pour prendre l'extension, mais pas à 30€ quand même, faut pas abuser. Je pense que le prix raisonnable ça serait 25. Entre 20 et 25 ça serait pas mal. Donc les flics, ok. Alors ce qui est bien c'est que les flics ne sont pas du tout... Ah, on accélère, je sais pas pourquoi. Il a disparu. Oh, il me repère pas. Contrairement à ce que j'allais dire, non, c'est pas le cas. Ils ont pas trop l'air de m'avoir pris en chasse. Bon, moi j'ai fonce autant je pense, mais là non. Pour l'instant. Bon, on arrive à la fin. Encore un passage sur les radars. Et je crois qu'après avoir battu Jewel, on va changer de voiture, ou alors si on la garde, on va vraiment la tuner différemment. Ouais, je pense qu'on va attendre encore un moment. J'avais regardé la dernière fois pour voir quel véhicule je pourrais prendre après. Et une petite Lamborghini, ça me tend très bien. Et pour affronter une Lamborghini, enfin pour avoir une Lamborghini, il faut... avoir battu le 6 ou 5ème de la liste noire, donc on n'y est pas encore. Allez, dans les sprints. Fail mais méchamment. En tout cas j'ai vraiment hâte de Wellrun, surtout de suite. Correction, d'autres appels font état de plusieurs véhicules qui roulent très vite.
Il y a plusieurs véhicules. Les suspects ont été vus dernièrement en direction du sud, sur State Street. Est-ce qu'une unité pourrait aller voir par là? Blablabla. Ouais, donc j'ai un peu baissé de la musique, etc. sur Need Speed, parce que je me suis rendu compte que, ben, parfois je parlais et on n'entendait pas des masses. Le son de la voiture ou les flics ou quoi, ça couvrait un peu. Notamment la musique. Bon, ça serait bien que je rattrape. Hein. Putain, hé. Je rêve ou on me pousse? Bon, c'est vrai que j'ai double. Hein. Allez, là. C'est quand même pas une Renault qui va me battre, quand même. Hop. Ok, les flics. Donc ça tombe bien, comme ça après on va pouvoir enchaîner avec ça. Et j'espère leur échapper. Ouais, j'ai même la flicaille derrière moi là. Central, nous venons de voir le véhicule suspect décoller les 4 roues. Que tout le monde fasse bien attention, ce mec est inconscient. Bon, c'est pas mal, le raccourci, comme ça, ça me fait passer premier direct. Voilà, c'est fini pour les courses. Donc on enchaîne avec la poursuite. C'est parti. J'essaye de rester au contact. Sur le niveau 3, donc bientôt niveau 4. On va voir hier. Je passe en 10-45. Il faut que je tape 18 voitures. 10-45. Qui veut là pour me dépasser? Ce type va jamais me laisser passer. Bravo 2-9, 10-23, j'arrive derrière. Ça va les suer, ça compte aussi. Et encore une voiture à toucher. Bientôt niveau 4. Encore 3 minutes à tenir. Voilà le
votre suspect. Bon, le pilote a foncé droit sur le barrage. Il me laisse pas faire, j'y arrive pas. C'est le moment, je le sors de la route. Ça fait 2 Hz de passer. Il a forcé le barrage. Non, j'ai pas envie. À toutes les unités sur poursuite, ici Bravo 2-5. Nous avons mis en place un barrage et votre suspect arrive sur nous. Surveillez-le. Quoi comme infraction là? Excès de vitesse, vitesse extrême, ouais. Unité sur poursuite, ça veut bien aux écrans. Nous avons mis un barrage en place. Voyez si vous pouvez l'entraîner vers nous. Je vois, je suis.
je peux lui passer devant, j'essaie de le bloquer. Venu nouveau dès que possible. Ici Sierra 12, nous avons surveillé la poursuite et dressé un barrage sur la route qu'il a certainement emprunté. Aux unités sur la zone. Le suspect en code 6 a été vu dernièrement en direction de l'est, à hauteur de Fairmont Bowl. Le responsable a ordonné un verrouillage de zone d'environ 10 blocs. C'était un peu fou quand même, c'est tendu. Il est demandé aux unités de se diriger en conséquence. D'autres indications vont arriver sur vos moniteurs. Voilà, bon, tout est fait. En ce qui concerne les défis, tout est fait. Donc je vous laisse là et j'enchaîne directement avec Jewel. Ouais, je vous dis à la prochaine, c'était Diablo.